All mode spécial. Pinky, H&M, Zara, c'est parti! Donc, salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la suite de mon haul spécial mode. Donc du coup, cette fois-ci, je vais vous montrer les vêtements que j'ai achetés chez H&M, chez Zara, chez Pinky et chez Bershka. Et chez Undies, mais chez Undies, j'ai pris que des sous-vêtements, donc je vous vais vous montrer les hauts. Hein. S'il y en a qui sont choqués, ben tant pis. Mais bon, montrer les maillots de bain, donc je vois pas pourquoi on peut pas montrer des sous-vêtements. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Et je vais vous montrer les vêtements portés, puisque c'est le but que vous le voyez aussi porté. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, j'ai acheté un peu de tout en fait, et voilà, donc je vais vous montrer. Donc je vais commencer par Pinky. Donc chez Pinky, j'ai pris 3 hauts, un pantalon, un short. Voilà, donc il y avait une robe qui me plaisait, mais j'ai pas trouvé ma taille. C'est une nouvelle robe là, avec l'encolure un peu bardeau. Un espèce de effet jean en lyocell. Je trouvais super sympa, et j'ai pas réussi à trouver ma taille. Bref, c'est pas peine perdue, les soldes approchent. Et aussi, il y avait un bouton en jean qui me plaisait. Voilà, donc voilà. Et là, il y a ma bretelle soutif qui se barre en cacahuète. C'est quoi ce barouf? On la voit plus? Oui, j'ai changé d'eau entre la vidéo d'avant et la vidéo de maintenant. Donc du coup, chez Pinky, je me suis pris ce top. Pareil, hein, coton modal. Donc ce que j'ai aimé et ce qui est la tendance en ce moment, c'est les broderies. Donc ça, vous êtes au courant. Les broderies, tout ce qui est brodé, c'est à la mode. Donc je voulais au départ celui que Noalita portait sur la photo qu'ils avaient partagée sur l'Instagram de Pinky. Et au Pinky où je suis allée, il n'y avait pas ma taille. Et je crois qu'il n'avait que en écru et pas en noir. Donc du coup je l'ai commandé sur le site et j'avais pris celui-là parce qu'il y avait une fleur brodée ici. Et après il y a d'autres insectes et d'autres personnages, hein, on va dire. Donc il est très brodé celui-là. Donc celui-là il est un peu plus court que les deux autres. Mais j'aime beaucoup parce qu'on est confortable dedans et puis c'est noir et moi j'aime beaucoup le noir. Donc voilà le premier top que j'ai pris. Donc celui-là il était à 15 euros je crois. Ouais 15 euros et les autres ils sont à 12,99 ou 12,95, je sais plus. Mais celui-là ouais je l'ai pris parce que j'aimais bien le dessin et j'aimais bien le t-shirt. Et ensuite j'ai donc pris celui-ci donc que j'avais vu sur l'Instagram de Pinky. Que portait Noalita, un pantalon noir. Moi je le trouvais très joli celui-là. Pourtant il est simple, c'est juste un t-shirt noir avec une rose, mais ça fait toute la différence et ça fait très sympa, très joli. Et je l'ai pris en écru, donc par contre là j'ai pris M comme taille et l'autre j'ai pris S. Bref, des fois ça dépend des vêtements, voilà. Hein. Donc le top noir avec la fleur, avec la rose. Et le top blanc écru avec la rose aussi. Bon c'est le même que l'autre, hein, pareil taille M. Donc voilà, c'est des t-shirts, tout ce que j'aime et tout ce qu'il y a de plus confortable. Ensuite, chez Pinky, j'ai pris un jean. Donc j'ai pris ce jean, donc je l'ai pris en 38. Il est un peu taille haute, j'ai pas l'habitude, mais bon, je me suis laissée tenter. Il est plus court que la normale des jeans que je porte d'habitude, il s'arrête un peu au-dessus de la cheville. Voilà, donc c'est un 7/8, hein, longueur cheville. Donc il est brodé. Oui, bien sûr, il est brodé. Donc il est brodé ici et je crois qu'il est brodé sur la jambe de ici. Voilà, donc je vous le montrerai sur moi, hein, sur ma couane. Voilà, donc le jean sympa, j'en ai pris un aussi chez Zara, il est brodé, hein, bref. Et après j'ai pris le short que je porte sur moi, vous verrez pas. Je vous ferai, si je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Donc voilà le short, donc c'est un short en jean et il a... un dessin en croquet ici. Donc lui il était à 25,95€ et le jean il était à 34,95€. Ouais, c'est ça. Et lui je l'ai pris en taille 40. C'est vrai que suivant le magasin où on va, les tailles c'est différent. Et des fois, suivant si c'est taille basse ou si c'est taille haute, c'est pas pareil. Donc moi je l'ai pris en taille 40, le short, je suis bien dedans et après voilà. Bref, pour continuer, chez Bershka, j'ai pris une robe. Mais une robe assez colorée, assez flashy. Ouh, elle ressort super rose. Avec les manches, vous savez ce qu'il y a à la mode là, les manches comme ça. Et elle par contre, j'ai pris en taille S. Voilà, donc le M c'était trop grand, j'ai nagé dedans. Donc je la trouve assez jolie, elle était à 15,99€. Pas trop cher pour une robe. Voilà, elle est sympa, fait son effet. Elle a une maille un peu rayée devant, donc elle est assez jolie, j'aime beaucoup. Et puis la couleur, ça change que toujours du noir. Voilà, donc j'ai trouvé ça chez Bershka. J'avais vu un short aussi, mais je ne rentrais pas dedans, donc je ne l'ai pas pris.
Et puis voilà, donc j'avais pris déjà d'autres trucs et les hauts après c'était assez ressemblant, donc je me suis dit tu vas te limiter à... Ensuite, chez H&M, donc ça date d'un petit moment, donc j'avais pris cette chemise rayée en coton blanche et bleue. Donc j'aimais beaucoup la rayure, hein, puis je trouvais qu'elle était sympa. Elle est assez longue, on peut la porter loose, elle a une poche poitrine. Elle, je l'ai pris en taille 36, voilà, donc je l'ai trouvée sympa, donc je me suis dit tu vas la prendre. Voilà, donc la petite chemise en chambray, tout ce qu'il y a de plus... de basique et de sympa. Ensuite, toujours dans les basiques chez H&M, j'ai pris cette robe aussi, donc elle est rouge, j'en avais pris l'an dernier en noir, donc c'est pareil, c'est le même style avec l'encolure plus courte dans le dos, donc c'est les robes un peu courtes et assez dansantes. Donc elle, je l'ai pris en taille 38 et elle fait la même taille que celle que j'avais l'an dernier en 36. Ouais. Voilà, donc elle est assez imprimée, c'est fleuri, c'est rouge, c'est joli. Et H&M, j'ai pris un pantalon. On n'est pas mis là. J'ai pris un pantalon comme ceci, dans les pantalons que j'aime bien porter, moi, assez loose, de détente. Donc il est noir avec des losanges. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille 38. Ma mère m'a dit qu'il était un peu grand, 36 m'aurait suffi, mais moi je le trouve sympa. Donc il y a deux poches et il était à 9,99€. Comme la robe rouge, elle était à 9,99€. Celle-là de robe, vous les avez en plusieurs coloris, différents modèles. Modèle d'imprimé, je parle, et c'est toujours 9,99€. Voilà, donc le pantalon noir. Et après, j'ai pris des sous-vêtements, donc celui que je porte sur moi, que j'ai pris en double parce que je me suis gourée. Hein, ben oui, hein. Ça arrive de se gourer. Donc j'ai pris celui-ci en noir que je trouvais sympa. Et en fait, je voulais prendre le même en blanc, mais j'ai pris les deux mêmes en blanc, et c'est pas celui-là. C'est pas grave, je le reprendrai. Donc celui-ci, il est à... C'est en fait, il est appelé bustier. Parce qu'il a la forme bustier sur le haut. Ça habille bien le haut du corps. Donc je le trouve super sympa. Donc il est à 14,95€ ou 99€. Voilà, et je voulais prendre le même en blanc. Et aussi sur le site, il est en émeraude. Et ensuite, j'ai pris ce modèle-là. Donc j'ai en double celui-là, puisque j'ai confondu avec l'autre. Je l'avais pris plusieurs tailles pour essayer, donc je l'ai pris en taille S. Celui-là aussi c'est taille S et c'est le même que j'ai sur moi. Donc c'est un triangle, voilà, sans armature, juste la bande dessous et en dentelle, très joli. Donc celui-là il s'agrafe dans le dos et ensuite j'ai repris le lot que j'ai l'habitude de mettre. Celui-ci avec un blanc noir, c'est le lot de deux, donc ça c'est ceux qui s'enfilent. Ah, voilà, donc c'est les triangles tout en dentelle. Moi j'aime beaucoup ces... Et là j'ai pris la taille 38. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ces soutifs parce qu'on est bien dedans et parce que quand on a une petite poitrine, voilà, ça peut le faire. Voilà. Donc, ensuite, j'avais pris un comme ceci, toujours chez H&M. Donc ça c'est la gamme Push-Up, hein. Donc à 9,99€. Voilà, donc j'ai pris un blanc aussi, mais c'est pas le même modèle, déjà je sais pas, je crois qu'il est à laver. Donc ça c'est le noir, pareil, hein, celui-là il est rembourré, c'est donner l'illusion que t'as des seins quand t'en as pas. Hein. Voilà, celles qui ont un petit bonnet ont rien compris, donc il y a des bretelles et tout. Donc il est sympa aussi, c'est son petit effet. Voilà. Et chez Undies, puisque je reste dans le domaine sous-vêtements, hein, tant qu'à faire, hein, si vous avez peur tant pis. Donc j'ai pris un modèle pareil blanc qui est assez ressemblant à ceux d'H&M, mais il monte un peu moins haut celui-là. Donc il n'aurait pas dépassé comme celui que je porte. Hein. C'est ça. C'est celui-ci, donc pareil taille S. Donc c'est ce modèle. Donc il est blanc avec des petites dessins de fleurs. Donc voilà. Très agréable à porter. Modèle triangle. Voilà, moi j'aime beaucoup les modèles triangle. Il y en a qui disent ça met pas trop la poitrine en valeur. Mais... moi ça me va. Et chez Undies après j'en ai pris deux autres, donc ils s'enfilent, par contre j'avais pas fait gaffe qu'ils s'enfilent, parce qu'au Undies où je suis allée c'est un Undies capsule, vous commandez votre capsule et après vous n'avez pas de cabine d'essayage, c'est celui de Toulouse, et du coup j'ai pris ce modèle là, donc il y a ça fait un effet quand vous le mettez autour du cou en fait, et c'est un triangle, donc c'est un S, ça va jusqu'au XL sur le site et en magasin ça allait jusqu'au L, et il a ici une lanière entre le dessin du triangle, il y a une lanière, je sais pas si vous verrez grand chose, hein, mais bon je vais pas vous le montrer sur moi non plus, hein, tant qu'à faire, hein, non. Ouais, je vous montre mes soutifs mais c'est bon,
Et après, j'ai pris un autre modèle aussi. Donc celui-là, je crois qu'il était à 9,95€. Et l'autre, il est à 12€. Je sais pas si c'est celui-là qui était à 12€ ou l'autre. Donc c'est le même système en fait. Hein. Parce que je veux pas foutre l'étiquette sur la tête. C'est celui-ci, sauf que celui-là, sur le bonnet, il y a un dessin quadrillé. Voilà, donc pareil, S. Bon, ça me va, ça fait l'affaire. Hein. Ça tient bien, par contre, c'est assez élastique. Après, je sais pas si... Il y en a qui m'ont demandé si ça irait pour des poitrines un peu plus généreuses. Je peux pas vous dire. Moi, je fais un bonnet B, donc voilà. Si vous pouvez essayer de juger dans ce type de sous-vêtements-là. Donc moi, c'est les sous-vêtements que j'aime beaucoup porter parce que c'est confortable et l'été, j'aime pas être serrée et m'étouffer avec l'armature. Hein, voilà. Donc je préfère les modèles triangles. Tout dépend ce que vous avez aussi comme poitrine. Si vous avez... Moi, je cherche avant tout le confort et que ce soit aussi joli. Dans ceux-là, ils sont assez jolis, sexy. Donc on peut allier les deux, hein, tant qu'à faire. C'est sympa. Donc maintenant, j'ai commencé. Je vais continuer par... Ben, Zara, je crois qu'il me reste. Donc, chez Zara, j'avais repéré un top. Celui-ci, assez élégant parce que j'avais eu dernièrement des rendez-vous pro et il faisait chaud et j'ai toujours le souci que j'ai pas mal de bas mais le haut, c'est toujours le truc, le haut il est trop simple. Comme je vous ai montré les t-shirts dans la vidéo précédente, c'est toujours des tops un peu basiques et celui-là je l'ai trouvé assez sympa parce qu'il fait habillé. Donc vous avez le devant avec un volant, ben, une espèce de volant, volanté, et vous avez la dentelle devant et derrière. Si je le tiens dans l'endroit aussi, ce serait pratique. Ouh, c'est chaud. Voilà, donc vous avez la dentelle ici. Et vous avez un nœud derrière avec la dentelle. Et après, le décolleté tombe pile à l'endroit du soutien-gorge. Donc c'est sympa. Voilà, donc il est assez court par contre. Mais sur un jean ou un pantalon habillé, ça peut faire chic. Voilà, même avec le pantalon fil H&M, j'avais essayé. Je trouvais que l'ensemble était sympa. Donc voilà, c'est un top qui était à 19,95€. Moi je l'ai trouvé joli donc je l'ai pris. Il ne se brosse pas, il est fluide, tip top. Et ensuite j'ai pris celui-ci parce que je me suis dit qu'il irait bien avec le pantalon que j'ai choisi. Donc c'est pareil, c'est un gros fluide, il est plus court avec la doublure et vous avez un jeu de dentelle plus longue derrière que devant. Voilà, un top vert d'eau. Même pas vert amande je dirais. Ouais. Ça existe ça, tout à fait Marie, bref, donc je vous le montrerai avec le pantalon, il est assez sympa, pareil 19,95€, mais je l'ai trouvé joli, je me suis dit, je peux le prendre. Et le pantalon que j'ai pris chez Zara, c'est un pantalon blanc, donc moi j'ai un écume, pantalon blanc, ouais un slim, de chez Mango, et j'en cherchais un autre, et celui-ci, comme c'est la tendance d'avoir les pantalons 7-8ème, je me suis arrêtée sur celui-là, donc il est pas, il n'y a pas de roulé en bas, il est assez filoché. Il fait user en fait, voilà, si vous voyez, ça part qu'ils n'ont pas eu envie de coudre chez Zara, hein, ils se sont dit tiens, on va économiser du fil. Et ensuite, il y a la broderie sur la jambe, voilà, donc très sympa, voilà. Et j'avais pensé mettre justement le haut vert, puisqu'il y a un peu de vert sur la broderie, voilà. Donc super, sympa le pantalon, donc lui je l'ai pris pareil en 40. Et il monte assez haut, donc... Avec le haut ça va bien puisque le haut est court, donc ça va bien ensemble. Et lui le pantalon est à 24,99€ je crois, c'est ça, ou 29, je sais plus, merde, j'avais gardé les étiquettes partout là. Donc voilà le pantalon blanc, je vous éblouis avec du blanc. Ouh. Et pour finir, on va passer chez Kiabi. Donc chez Kiabi j'ai pris des tongs, ainsi que des tongs, moi je m'en sers l'été pour mettre dedans tranquille. Donc elles sont dorées, elles brillent même dans le noir, c'est chouette. Et après j'ai pris 3 hauts. La meuf qui s'est dit qu'elle a pas assez de haut. Non, non. Non, je les ai trouvés sympas. Puisqu'il y avait un acheté, un à moins 50. Et comme mon père a pris des vêtements, moi j'ai eu tout à moins 50. Elle a été sympa la vendeuse. Merci beaucoup. Donc c'est un haut tropical, super imprimé. Donc il y a un volant aussi devant. Et là par contre, il y a les bretelles qui se nouent. Donc moi j'ai peut-être envie de faire. De coudre les bretelles plutôt que de faire des nœuds. Donc je vais voir. Mais je le trouve assez sympa. Donc lui j'ai pris en taille M. Et il m'est revenu à 8€. Il était à 10. Je l'ai eu à 8. Voilà, donc je les trouve sympa. Les tongs elles étaient à 6€, donc il y avait 7 couleurs et argent je crois. Ouais mais moi j'ai pris or. Donc voilà le petit top. Et après j'en ai pris deux autres. Pareil ils étaient à 10€ mais je les ai eu à 8. Et là je pense que je vais être obligée pareil de... En fait il n'y a pas les bretelles qui sont réglables.
et je trouve qu'il tombe trop au niveau du décolleté. C'est pas ce qui me va le mieux niveau forme. Sinon il faut mettre un soutif rembourré, mais je pense que je vais faire un truc avec les bretelles pour que ça tienne mieux au corps, quoi, pour que ça le remonte un peu. Je vais vous le montrer porter, mais je pense que je vais les défaire et faire un système. Parce que derrière c'est croisé, mais les bretelles qui sont ici sont plus lâches. En fait, suivant si vous êtes menu ou pas. Moi je suis menu du buste, donc c'est pour ça. Donc j'ai pris ces deux imprimés, voilà, parce que je les trouvais jolis. En fait c'est le même, mais c'est pas la même couleur. Et je sais qu'il y a la robe qui est avec cet imprimé là. Et je trouve l'imprimé super, super été, super frais. Super fraîche, quoi. Et voilà. Donc voilà pour le haul. Mode. Donc avant les soldes, hein, puisqu'après il va y avoir les ventes privées. Donc il y a des commis shorts que j'aimerais me trouver. J'en ai vu sur ProMode. Après j'en ai vu aussi sur H&M. Il y en a des sympas. Voilà, donc s'il y en a chez Mango, il y en a un peu partout. Donc là j'ai pas été chez Mango. Tiens, c'est bizarre. Voilà, donc du coup je vais vous montrer les habits portés. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche. Pas moi la cloche, hein. La cloche des notifications, hein. À commenter, voilà, si ça vous dit. Et à me suivre aussi sur ma chaîne de conseils pour YouTube. Je filme toujours. Oui, j'ai chaud, je me liquéfie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que mon haul vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. Donc je fais de mon mieux pour aller plus vite. Et je vous dis à bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye, à bientôt, bisous. Ciao ciao.